Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul. Il y aurait du Shein, il y aurait du Primark et Bershka. Donc, on va commencer par Primark que j'ai pris. Du coup, je me suis pris un pantalon comme ça, un leggings, pardon, un cuir. Trop, trop, trop beau. Il n'y avait pas grand-chose à Primark quand j'ai été la dernière fois avec ma copine. Du coup, je me suis pris ça. Un pantalon un peu comme ça. Il descend pas. C'est trop, trop bien. J'aime pas les. Vous savez, j'avais acheté à Pretty Little Thing un leggings comme ça. Celui-là, il descendait, mais celui-là, il descend du tout pas. Je l'ai acheté à 5 euros à Primark que je l'avais acheté à combien? 20 euros, Pretty Little Thing. Franchement, c'est abusé. Franchement, c'est incroyable. Non, je rigole. Bon, franchement, c'est trop abusé. Genre, c'est trop abusé quand. Les prix genre de Pretty Little Thing et Primark, c'est incroyable. Alors ensuite, bon ça on va balancer parce qu'on n'a plus besoin. Je me suis pris des chouchous, trop mignon. Il y en avait plusieurs couleurs mais moi je voulais trop ceux-là avec les tiperons et tout. Alors là vous avez un rose, un bleu et un, je crois c'est un beige ou un blanc. Non c'est un beige du coup voilà. Je me suis pris ça quand je vais faire une queue de cheval vrai. Je vais sortir avec mon ami, avec mon petit chouchou et tout. Franchement j'aime trop les chouchous. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur YouTube, j'aime trop 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 les chouchous. C'est la baiser de Yasmine du coup voilà. J'aime trop trop trop. Ensuite je me suis pris des faux ongles. Ceux-là. Il y avait des longs en mode bad bitch. Mais non, moi je voulais des courts. Aujourd'hui on n'est pas à bad bitch. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, celui-là ils étaient à 2 euros. Il y en avait plusieurs. Il n'y en avait pas grand chose. Du coup, au total, j'en ai eu pour 8 euros. Voilà. On passe à Bershka. Du coup, à Bershka, je me suis pris une casquette comme ça. Elle était trop, trop belle. Du coup, j'aime. Comme vous savez. J'aime trop le marron, ça se voit. Un peu de marron, un peu de beige dans mon dressing. Du coup, je me suis pris une casquette comme ça. Elle était à 8 euros. Franchement, elle est trop, trop belle. Allez-y, foncez si vous voulez vraiment la même que moi. Du coup, voilà, elle était vraiment trop, trop belle. Ensuite, Akiko, je voulais vous dire. J'ai aussi Akiko, j'ai pris une poudre. Donc, voilà, parce qu'il ne me reste plus de poudre. Du coup, j'ai pris celle-ci, elle était à 13 euros. Et je vous la montrer comment elle est à l'intérieur. Elle est comme ça. Franchement, elle est trop, trop. Elles sont trop confortables. J'ai pris ma taille. Il faut savoir si vous faites du 38, prenez du 39. Parce que sur les commentaires, ils disent que ça fait trop, trop mal aux pieds. Et c'est vrai. Malgré j'ai pris du 40, ça me fait archi mal aux pieds. Du coup, elles sont comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je les ai déjà un peu utilisées, du coup, comme ça. Et là, il y a un peu des filets. J'y trouve trop, trop, trop beau. Surtout le bleu. Je ne porte pas de bleu en général. Du coup, c'est vraiment trop, trop, trop beau. J'aime trop la paire. Je mettrai une photo quelque part par là sur l'écran. Ensuite, je me suis pris une coque. Alors, je vous explique. Quand le colis est arrivé, j'ai voulu mettre la coque tout de suite. Déjà, pour savoir, ça fait bugger le téléphone. Ça, ils ne le disent pas en commentaire. Ça fait bugger le téléphone. Et la coque, elle s'est cassée en un jour, les gars. Donc, c'est pas vraiment solide. Hein. Si vous voulez acheter une coque tout simple, franchement, je suis un peu déçue de ça. Du coup, voilà. J'ai pris une coque comme ça pour l'iPhone 11. Comme vous savez, j'ai l'iPhone 11 maintenant. Et ouais. Du coup, voilà. Elle n'est pas du tout solide. Ça, c'est un grand défaut. Je mettrai une photo quelque part là sur l'écran. Comment c'était du coup, parce que là elle est cassée, franchement c'est du tout pas solide. Ensuite, on passe aux habits. Je me suis pris une veste comme ça. Je voulais trop cette veste. Elle était à, je crois, 12 euros, quelque chose comme ça. Je sais plus du tout les prix, désolé. Si je retrouve les prix, je vous mettrai sur l'écran. Voilà. Donc je me suis pris une veste comme ça, une veste S, franchement elle est trop belle, j'aime trop la couleur. Faut savoir moi j'aime que le noir et le beige, j'aime pas du tout les couleurs flashy et tout. Mais ça c'est pas une couleur flashy, c'est du rouge. Du coup vous pouvez grave mettre ça avec un ensemble noir, tout de noir avec des paires beige
où genre on est ensemble tout de blanc, ça le fait trop. Franchement, j'ai grave déjà saigné cette veste. Mais franchement, elle est trop belle. Elle était même pas chère. Que je crois sur AliExpress, elle est à 30 euros. Non, faut pas abuser. Hein. Faut pas abuser. Je l'ai acheté moins de 30 euros, je sais. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris un blazer. Comme ça, les gars. Il est trop beau. Regardez le blazer. Comme il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Genre, j'aime trop. J'aime trop. C'est surtout les boutons et la couleur que j'aime. Comme vous savez, dans mon dressing, il n'y a que du beige. J'ai pris du beige. De toute façon, je me ferai une autre commande bientôt en automne. Donc voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire sur ça. Du coup, j'ai pris ça. Franchement, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pris un haut t-shirt. Comme ça, un haut pull, on va dire. Vous voyez, il y a ça là, sur les fils. J'ai déjà mis, du coup, je vais vous expliquer. Genre ça n'étire pas là. C'est juste pour faire le style de le t-shirt. Ça n'étire pas comme, vous voyez, j'ai un haut comme ça en beige là. Mais il s'étire celui-là, mais celui-là, non. Je suis un peu déçue. Non, moi, je pensais que ça s'étirait. Comme ça, on allait faire court. Mais non. Du coup, voilà, c'est ce que je vous montre. Ensuite, par contre, je suis un peu déçue. Nouveau Shein des matières. Je vous explique, ça lâche énormément de fils. Je sais pas si c'est la personne qui a mal cousu. Franchement, ça lâche énormément de fils et je suis un peu déçue de Shein là en ce moment. Du coup, je me suis pris une chemise bleue parce que j'ai le tendance en ce moment avec du bleu. Du coup, j'ai pris ça avec une chemise bleue, tout de bleu comme ça. Elle est trop belle. Franchement, trop belle. Trop belle. Ensuite, tous les vêtements, sachez que c'est du 40-42. Je prends jamais des vêtements en petite taille. Je prends toujours du 42 parce que je sais que ça va m'aller. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris un haut comme ça qui n'est pas court. Ça, c'est pas un crop top. Hein. C'est un haut pull comme ça. Je voulais trop. Je vais caler ça avec un jean pépère. On adore. Du coup, voilà. J'ai pris ça. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop la couleur. Vous savez, moi et le marron, ça fait deux. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ce haut-là. Les gars, je suis trop déçue. J'ai pris un haut avec un cœur parce que je trouvais ça trop beau sur la mannequin et tout. J'ai les commentaires. Mais ils disent pas que c'était transparent. Du coup, je l'essaye. Il est vraiment transparent. Je suis trop déçue. De toute façon, je mettrai des photos, des habits, essayer juste après. Franchement, c'est trop beau. De toute façon, si je vous le mets pas, vous verrez porter forcément sur Snap, sur mon Insta. Donc voilà. Ensuite, le seul positif que j'ai, c'est les joggings. C'est une pépite au chocolat. Je crois que je vais prendre toutes les couleurs des joggings. Celui-là, cette matière, elle est trop bien. Je l'ai déjà essayé du coup. En sport, j'avais rien à dire. T'es à l'aise en jogging. Même vous pouvez prendre votre taille, hein, ça fait déjà oversize. Moi j'ai pris un 42, ça fait déjà oversize. Il est assez grand, vous voyez. C'est pas besoin de prendre une taille au-dessus, il est grand, vous voyez ou pas. Du coup, voilà, franchement, je suis du tout pas déçue. Le jogging, je crois que je vais prendre le beige, le bleu, toutes les couleurs. Et j'avais pris du 42, voilà, 40-42. Franchement, il est trop bien. J'aime trop la matière. J'aime trop. Franchement, il est trop beau. J'ai rien à dire. Donc, voilà, j'ai pris ça. C'est vraiment trop beau. Franchement, je vous le recommande. J'ai rien à dire des joggings. Ensuite, il y a un truc que je suis vraiment déçue. Et je l'attendais avec patience. Et pourtant, ils disaient, ah, prenez pas une taille au-dessus, ça va être trop grand. Sauf qu'il n'y avait plus de XL. Il n'y avait que du 42. Prenez pas une taille au-dessus, ça va être trop petit. Et là, la première chose que j'essaye chez moi, c'est le pantalon. Alors, j'ai pris ce pantalon-là en beige. Je vais le vendre sur Vinted foncé. Il est comme ça, foncé. Du coup, je vais le vendre parce qu'il est trop petit.
De toute façon, je vous mettrai une photo de la mannequin quelque part ici. Franchement, je suis trop déçue, les gars. Je pensais pas ça allait être genre petit. Je pensais ça allait me servir. En fait, ça me sert, mais c'est juste ça s'attache pas parce que j'ai du ventre. Je suis trop déçue, les gars, franchement. Je suis trop déçue. Dernier article et après, c'est à la fin. Du coup, j'ai pris un jogging comme ça. Je voulais vraiment changer. Jogging avec du marron, plusieurs couleurs de marron, du coup, comme ça. J'aime vraiment trop la matière, j'ai rien à dire et voilà. De toute façon, c'est tout ce que j'avais pour ce haul. Vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche pour m'encourager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous fais des gros bisous.